Madame, vous partez où? Hein? Vous êtes avec qui ici? C'est qui pour vous ça? C'est ma part. Hein? C'est ma part. C'est mon mari. Vous êtes marié officiellement? Oui. Ça fait combien de temps? Un an comme ça. Où est la bague? Il n'y a pas la bague. Non, on attache à la mosquée. Hein? Okay. À la mosquée. Donc, pour vous, c'est fini comme ça. Hein, mon ami? Ça va comme ça, hein? Ok. Zamara ou Inès, vous avez mal aux oreilles. Vous avez mal au. D'accord. Et vous croyez que si je prie, le Seigneur va vous guérir? Oui. Vous avez déjà les enfants? Non. Vous voulez avoir les enfants? Oui. Vous voulez les enfants? Est-ce que vous voulez les enfants? Oui. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Que Dieu leur donne les enfants. Maintenant, je veux vous dire que je suis avant de prier sur vous. Vous en prenez. Vous comprenez français? Oui. Vous parlez français, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez français. Oui. Est-ce que vous croyez que si je prie avec vous, le Seigneur Jésus-Christ va vous bénir? Vous croyez en ça? Oui. Vous croyez? Oui. Parce que vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'heure où je parle ici, votre vie est attachée. Rien ne marche. Vous vous battez, l'argent vous fuit. C'est vrai. Parfois vous sortez le matin, vous rentrez le soir sans rien. Mais est-ce que vous croyez que si je prie avec vous, votre vie peut changer au nom de Jésus-Christ? Oh mon Dieu, yes. Oh mon Dieu, oh my God. Yes. Je vous dis donc la vérité au nom de Jésus-Christ. L'année-ci, la femme-ci sera enceinte. L'année-ci. Ah. Je vous dis donc la vérité au nom de Jésus-Christ. L'année-ci, la femme-ci sera enceinte. L'année-ci. Amen. Yes. Ce n'est pas les choses qu'on raconte ou que les gens font. Yes. Je parle en tant que prophète du Dieu vivant. Yes. Au Cameroun, l'année-ci, la femme-ci va tomber enceinte. Amen. Vous me suivez? Dieu va bénir votre maison. Dès que je prie avec vous, un ange du Seigneur vous rendra visite à la maison. Yes. La femme-ci tombera enceinte. Amen. Et ce n'est pas la seule chose que Dieu va faire pour vous. Parce que vous êtes resté à la maison. Vous avez dit, ah, allons, c'est elle qui a commencé. C'est elle oui, qui a commencé à la maison. Vrai. Vous regardiez la télé. Oui. Pendant que vous étiez en train de regarder la télé, vous avez vu la télé en premier. Oui. Il n'était pas là, il était au travail. Oui. Quand elle est rentrée le soir, vous l'avez appelé. Oui. Vous lui avez dit que voici ce que j'ai vu à la télé. Yes. Est-ce qu'on peut aller là-bas? C'est vrai. Et il a un peu hésité. Oui. Après, vous l'avez convaincu. Il a dit, okay, quand... il reste. Hein? Il a dit que s'il veut dormir, il reste. Voilà, vous avez dit, si tu veux dormir, moi je reste. Après, il a dit, non, je suis fatigué. Il a laissé coucher. Il a enlevé même le haut. Oui. Après, vous appelez dans la chambre. Il a dit, ok, on va partir. Oui. Il a porté son haut. Et c'est vous êtes sortis ensemble. C'est ça? Oui. Yeah! Regardez. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Parce que Jésus-Christ vous aime. Et il me dit de vous dire qu'il vous aime. Oui. Vous comprenez? Amen. Vous avez trop souffert, elle-même elle a trop souffert. C'est vrai. Chacun de vous a beaucoup souffert dans sa vie. C'est vrai. Et quand vous vous êtes mis ensemble, Dieu va vous bénir et ne jouez pas avec la femme-ci. Yes. Amen. Ne jouez pas avec la femme-ci. C'est la femme de votre vie. Hey, vous me suivez? Oui. C'est la femme-ci. Ne tentez même pas de jouer avec elle. C'est la femme que Dieu vous a donnée. Et Dieu va vous bénir. Amen. Vous aurez beaucoup d'enfants. Et je vous ai vu riche. Je vous ai vu construire votre maison, habiter dans votre maison. Yes! Maintenant, est-ce que je peux prophétiser sur eux? Yes! Merci, Saint-Esprit. Tiens ça. Regardez. Je commence par l'homme ou la femme.
Parce que j'ai deux agendas devant moi. Il y a deux agendas. Je commence par qui? Yes. Hein? Je commence par qui? À qui? Il dispute la prophétie. L'homme, il veut se trouver la femme, mais il dit, mais vraiment, je veux bien que ça commence par toi, mais toi-même, tu sais que moi-même, je veux aussi la prophétie. Et il y a les querelles de couple à cause de la prophétie. Hein? On dit par qui? Il veut se tourner vers sa femme pour dire que, ben, il regarde sa femme, il dit que, il dit à sa femme, la prophétie. Yes. Regardez. Je vous dis quelque chose. Je vous donne un conseil. Hein? Je commence par vous, le mari. Un conseil. La femme, si, mettez le micro sur elle. C'est qui que vous appelez Adda? C'est qui Adda? C'est la grand-mère à moi. Votre grand-mère, elle est où? Elle est à Hawaï. Elle est à Hawaï. Yes. On l'appelle comment? Gogo. Vous l'appelez comment? Adda Gogo. Adda Gogo. Yes. On l'appelle comment? Gogo. Vous l'appelez comment? Adda Gogo. Adda Gogo. Adda Gogo. Vous savez pourquoi je vous demande, Adda, vous savez pourquoi? Regardez. Votre grand-mère, c'est... Ok. Votre grand-mère, c'est quelqu'un de bien. Oui. Vous comprenez? C'est une grande femme. Oui. Elle a beaucoup prié pour votre famille. C'est ça. Vous comprenez? Elle a beaucoup prié pour la c'est famille. Ça. Et elle a fait une prière à Dieu. Elle a demandé à Dieu de bénir toutes les filles de la famille. C'est ça. Et que Dieu leur donne le mariage et leur donne des enfants. Yes. Et le Seigneur m'a dit de vous dire que la prière d'Adda est exaucée. Amen. Et Dieu va vous bénir à cause de la justice de votre grand-mère. Vous comprenez? Amen. Dieu va vous bénir pour cela. Amen. J'ai vu quelqu'un d'autre qui porte aussi le nom de Adda dans votre famille, qui n'est pas votre grand-mère, oui, qui est comme une grande sœur à vous. Oui. Hein? Qu'on appelle aussi Adda. Elle est où? Ah oui, elle est maintenant. Est-ce que vous avez une grande soeur qu'on appelle Adda? Oui. Hein? Oui. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était où? C'était l'automne de deuil de mon père. Le temps du deuil de votre père? Oui. On l'appelait comment? Adda. Adda. Oui. D'accord. On l'appelait comment? Adda. Adda. Oui. D'accord. Ce que vous êtes en train de vivre, Adda vit aussi ça. Oui, c'est la vrai. La déception sentimentale. Des problèmes à cause du mariage. Oui, c'est quand ça. Quand je vais prier pour vous, elle sera aussi délivrée à cause de votre grand-mère. Amen. Le prophétique, c'est une grâce de Dieu. C'est un don. C'est un don. Allez demander aux prophètes, ils vous diront que c'est un don. Et ils vous diront ce que c'est que ce don. Yes. Ne prophétise pas qui veut. Yes, non. Papa. Pourquoi je dis ça? Parce que vous me voyez faire ces choses, vous prenez ça très simple. Parce que je fais ça comme les jeunes, n'est-ce pas? Il y a telle, ma grand-mère, ta grand-mère, ok, d'accord. Mais il y a aussi ta grand-sœur, on appelle comme ça. Mais viens prendre le micro, essaye. C'est où tu vas comprendre qu'entrer dans la vie de quelqu'un, entrer dans le secret de quelqu'un, il n'y a que le Père des esprits de prophètes pour t'ouvrir la porte. Yes! Dieu va vous bénir. Vous comprenez? Le Seigneur va vous bénir. Dieu va vous bénir. Mais il y a des choses que vous devez abandonner. Soyez très prudent. Parce que vous n'avez pas de très bons amis. Vous me suivez? Oui. Vous ne parlez plus. Vous n'avez pas de très bons amis. Méfiez-vous de vos amis. Yes. Je vous ai vu marcher avec des gens qui ne sont pas vrais envers vous, qui sont hypocrites. Des gens qui rient avec vous, mais qui dans leur cœur souhaitent le mal. Moi, avec moi. Vous me suivez? Donc, vous devez vous méfier. Et si vous allez faire ce que je vous dis là, vous allez suivre mon conseil. Oui. Et si vous allez suivre mon conseil? Oui. Hein? Oui. Il dit oui, DG. Vous avez dit oui, DG. Non. Il m'appelle DG. Yes. Je veux recevoir, j'accepte, non? Tu me nommes et si on refuse la nomination. Il dit oui, DG. Donc, soyez prudent. Vous comprenez? Méfiez-vous.
Parce que vous avez des amis, des gens qui cherchent des moyens à vous faire du mal. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Ah! Regardez. Écoutez les conseils de la femme ci. Écoutez ses conseils. Parce qu'elle-même vous dit de vous méfier des amis. Elle vous dit d'être prudent dehors. Vous comprenez? Regardez. J'ai vu un monsieur qu'on appelle Ali. Hein? Oui, Ali. C'est son ami. Votre... Vous connaissez Ali? Oui. D'accord. Aujourd'hui, mais il est venu me payer le gaz. Ah, il est venu payer le gaz. Oui. D'accord. Vous avez deux amis, Ali et Haruna. Oui, c'est vrai. Vous connaissez Haruna, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Jésus! C'est quoi? Vous êtes étonné. C'est vrai, il vient manger chez moi-même. Hein? Il vient qui? Manger à la maison. Qui? Ses amis. Haruna est où? Il ne parle plus au l'homme si. C'est quoi? Attendez. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous dit sur votre vie? Comme je fais là. Vous êtes étonné? Oui. Pourquoi? Je t'ai parlé de nom de Haruna. Je ne sais pas comment je vais leur dire ça pour lui dire ça pour que ils comprennent ça sans faire les problèmes. Si je vous dis ce que je veux vous dire, vous allez faire les problèmes à quelqu'un. Non, est-ce que vous allez faire les problèmes à quelqu'un? Non, jamais, je ne fais pas les problèmes. Vous n'allez pas faire les problèmes, n'est-ce pas? Ok. N'amenez plus vos amis à la maison. Ni Ali, ni Haruna. Ne les amenez plus à la maison. Ok. Vous comprenez? Oui. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que j'aime votre femme. Non, c'est vrai, papa. Hein? C'est vrai. Même si je prépare, il ne mange pas chez eux. Il dit toujours que c'est sa femme qui connaît préparer. Écoutez, la seule personne en qui vous devez faire confiance, c'est Bachirou. Hein? C'est Bachirou, la seule personne à qui vous devez faire confiance. Et n'acceptez pas qu'il vienne aussi à la maison chez vous. Donc s'il arrive, vous sortez ensemble sur sa moto, il n'y a pas de problème. Mais éloignez vos amis de votre femme. Yes. Bien sûr. Maman, elle aura premier enfant, une fille. Elle. Yes. Premier enfant, vous aurez une fille. Yes! Okay. Lorsqu'elle va accoucher cette fille, venez avec elle ici. Okay. Pour que tout le monde sache au Cameroun que Jésus-Christ est Seigneur. Amen! Priez pour moi. Mon père, moi, il a laissé l'argent, mais jusqu'à maintenant, on ne nous cherche pas pour ça. J'ai dit que vous serez riche. Allez, c'est fini. Merci beaucoup. Les gens vont vous chercher. Yes. Pour que vous les aidez avec l'argent. Merci beaucoup. La parole de l'Éternel a parlé. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, vous êtes guéri de toute maladie.